Bonjour à tous. Ce débat s'intitule « Libye, une guerre humanitaire ?» avec un grand point d'interrogation. Nos intervenants que je vais vous présenter, Hasni Abidi, qui est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, à ma gauche. À ma droite, Boris Michel, chef des opérations en Afrique du Nord et de l'Ouest du CICR. Et à l'extrême gauche, Ronny Broman, directeur d'études à la Fondation MSF, Médecins sans frontières, professeur associé à Sciences Po. Donc, en introduction, peut-être rappeler un petit peu les faits, puisqu'il y a eu un déroulé depuis le mois de février, on peut dire même un petit peu avant. C'est vrai qu'après la Tunisie, fin décembre, l'Égypte, en janvier-février, la Libye a été secouée donc dès la mi-février par une insurrection contre le leader révolutionnaire libyen Muammar Kadhafi, qui va violemment riposter contre la population civile et qui va plonger donc le pays dans un bain de sang. La communauté internationale va unanimement condamner donc ces violences. Devant l'intensification des combats et le nombre croissant de victimes, le président du CSR, d'ailleurs, avait alerté l'opinion avec un communiqué le 10 mars, qu'il titrait « Libye, il est urgent d'appliquer le droit de la guerre », c'est-à-dire en fait un certain nombre de règles appliquées en cas de conflit armé, notamment la protection des civils. Alors Benghazi est devenu le haut lieu de la résistance contre le régime Kadhafi et les insurgés créent donc le Conseil national de transition que la France a reconnu dès le 10 mars. D'autres ont mis en doute sa représentativité, notamment la représentativité de certaines tribus, des clans qui composent la société libyenne. On en parlera aussi, notamment avec Hasni Abidi. La France se lance donc en première ligne. Elle a certainement besoin de redorer son image après son attitude vis-à-vis des événements en Tunisie et en Égypte. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote une première résolution, 1970, le 26 février, qui condamne les violences et saisit la Cour pénale internationale. Et puis, sur l'influence de la France, qui invoque la responsabilité de protéger les civils, on en parlera largement dans ce débat, le Conseil de sécurité de l'ONU décide par une deuxième résolution, 1973, le 17 mars, la création d'une zone d'exclusion aérienne qui autorise aussi les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque. Elle autorise donc le recours à la force, en plus d'un embargo sur les armes et le gel des avoirs du dirigeant libyen. Donc la situation bascule en un conflit armé international. De multiples acteurs sont intervenus et jusqu'à fin août, donc 2011, jusqu'à fin août, donc la prise de Tripoli par les insurgés. Le conflit n'est pas terminé. Kadhafi reste introuvable. Les batailles continuent du côté de Sirte, le bastion du colonel Kadhafi, de Beni Walid et de Sebha au sud. Alors côté humanitaire, les différentes organisations sont d'abord intervenues dans les zones contrôlées par les rebelles, aux frontières du pays, et ont rencontré des problèmes d'accès aussi dans la capitale Tripoli. Le CICR, lui, est présent depuis plus longtemps sur ces terrains. Il n'a pas été concentré uniquement à Benghazi, mais il était déjà présent aussi dans d'autres zone de la Libye, on en parlera bien sûr. Je rappelle peut-être quelques points, on en discutera aussi plus longuement sur ce pays particulier. Hein, c'est quand même un pays désertique grand comme trois fois la France, avec 6 millions d'habitants, dont 2 millions d'étrangers. Muammar Kadhafi a dirigé ce pays depuis 1969, donc la révolution des officiers libres. Le système politique est vraiment calqué sur des alliances tribales. Le pétrole donc, est la rente principale de ce pays. Les trois quarts des exportations vont d'ailleurs vers l'Europe. La France avait réhabilité Kadhafi en 2008. On se souvient qu'il proposait sans doute de fournir notamment des centrales nucléaires à la Libye. Il y avait des accords sur la pêche, des gros contrats pétroliers en cours, également de vente d'armes, dont des avions Rafale, entre autres. Et du côté des États-Unis, depuis 2003, eh bien, la Libye, qui, souvenons-nous, donc, avait été mise en cause hein, dans les attentats en 1988 et 1989, UTA et Paname, donc eh bien, depuis 2003, les États-Unis, finalement, récupèrent la Libye de leur côté en faisant un allié dans leur lutte contre le terrorisme.
Voilà, donc, et puis évidemment l'Italie, qui est un pays aussi central dans toutes ces questions, avec les contrats pétroliers, et puis la question de l'aide de la Libye sur la prévention des groupes de migrants qui affluent vers l'Europe. Alors, dans ce contexte, je voulais d'abord poser une première question à nos trois intervenants, qui vont d'abord répondre brièvement, et puis après on rentrera plus dans le détail. Alors, l'intervention donc occidentale en Libye, est-ce que c'est pour vous un véritable enjeu humanitaire? Est-ce que c'est un simple alibi? Qu'est-ce qui, selon vous, a véritablement motivé cette intervention? Alors, peut-être qu'on peut commencer à poser cette question à Boris Michel, chef des opérations en Afrique du Nord et de l'Ouest du CICR. Merci beaucoup. Alors évidemment, cette question, la nature de cette question mêle le CICR dans une situation un peu délicate. Vous comprenez tous que le mandat de l'institution, c'est d'être présente sur le terrain, de porter protection et assistance à des victimes de conflits armés, de situations de violence, et de mener cet exercice de la façon qui correspond à ces principes d'intervention, à savoir, a priori, et toujours, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Alors la question de savoir si l'intervention humanitaire occidentale, ou une guerre humanitaire, ou une intervention armée à des fins de protéger la population civile, évidemment relève avant tout d'un agenda très politique, a priori, agenda sur lequel le CICR tâchera ou essaiera de ne pas se prononcer. Cela étant dit, les conséquences d'une intervention militaire à des fins humanitaires, à des fins de protection de la population civile, intéressent le CICR qui est présent sur le terrain, intéressent le CICR parce que notre institution doit entamer un dialogue avec toutes les parties impliquées d'une façon ou d'une autre dans des hostilités ou dans la violence. Alors, oui, le CICR pense qu'il est important d'être présent dans ce type de contexte. Les motivations qui poussent les uns et les autres à prendre les armes ne font pas l'objet de commentaires. Par contre, ceux qui détiennent et utilisent les armes sont des interlocuteurs réguliers, importants, premiers du CICR, auxquels l'institution rappelle les règles élémentaires du droit international humanitaire lorsqu'il s'applique, ou des autres corps de droit, le droit national ou les droits de l'homme, lorsque nous ne sommes pas encore dans une situation de conflit armé stricto sensu ou juridiquement parlant. La protection des civils fait partie de la mission du CICR, donc a priori, la responsabilité de protéger nous intéresse. Maintenant, les motivations qu'il y a de se lancer dans une guerre qui se superpose à une autre pour protéger des civils, c'est effectivement une question délicate.